Que le Seigneur vous bénisse richement. Et qu'il bénisse aussi le révérend Firmin. Mais je vais chanter une chanson sur le choix. Parce que dans la vie, tout est choix. Et j'aimerais que vous m'écoutiez attentivement. Un vieillard parti en voyage avec son fardeau sur son dos. Il rencontra un jeune homme qui fit route avec lui. Le vieillard titubait sous le poids de son fardeau. Alors le jeune homme lui dit: laisse-moi porter ton fardeau pour que tu te sentes léger, pour que tu puisses bien marcher. Le vieillard refusa de se débarrasser de son poids. Il lui dit: c'est quelque chose que tu ne pourras jamais m'aider. Laisse-moi porter seul mon fardeau. Laisse-moi porter seul mon fardeau. Et quand la mort s'annonça, le vieillard s'arrêta. Quand il ouvrit son fardeau, quel étonnement pour le jeune homme. Pourquoi trimballer toutes ces pierres? Pourquoi mourir le repoids? Le vieillard répondit: écoute mon conseil, ô jeune homme. Toutes ces pierres que tu vois représentent chacune un mauvais choix. Car la vie sur la terre, elle n'est faite que de choix. Et si tu choisis mal, c'est un fardeau toute ta vie. Alors tu creuseras une tombe où tu vas bientôt m'enterrer. Où tu vas bientôt m'enterrer avec mon fardeau sur moi. Et tu écriras sur ma tombe: ici repose le vieillard qui mourut avec son fardeau. Sa vie. Oh oui, pasteur Firmin, tout n'est que choix. La vie sous terre n'est faite que de choix. Tu dois donc choisir le bon choix, le bon choix. La vie sous terre n'est faite que de choix, que de choix. Tu dois donc choisir le bon choix. Le bon choix. Le bon choix libère, mais le mauvais choix, c'est un fardeau. Aller au ciel, c'est un choix. Aller en enfer, c'est un choix. Être chrétien, c'est un choix. Être païen, c'est un choix. Un bon prophète, c'est un choix. Un mauvais prophète, c'est un choix. Une bonne église, c'est un choix. Une mauvaise église, c'est un choix. Un bon époux, c'est un choix. Un mauvais époux, c'est un choix. Même des bons amis, c'est un choix. Des mauvais amis, c'est un choix. Oh oui, Zenobi, tout n'est que choix. La vie sur terre n'est faite que de choix, que de choix. Tu dois donc choisir le bon choix, le bon choix. La vie sur terre, c'est vrai, n'est faite que de choix, que de choix. Tu dois donc choisir le bon choix, le bon choix. Le choix est obligatoire,
le choix s'impose dans la vie. Choisir, c'est un choix. Ne pas choisir, c'est aussi un choix. Choisir trop tôt, c'est un choix. Choisir trop tard, c'est un choix. Choisir vous-même, c'est un choix. Et c'est choisir pour vous, c'est un choix. Se prononcer, c'est un choix. S'abstenir, c'est un choix. Se décider, c'est un choix. Être indécis, c'est un choix. Maintenant, écoutez la solution. Arriver au moment du choix. Si c'est un choix fondamental, n'utilisez pas votre libre arbitre. Associez Dieu dans votre choix. Combien ne j'aime ici pas aujourd'hui. Qui a, si je savais, mais c'est trop tard. Mes amis, le chemin retour n'existe plus. Que le jour de leur mort, ils seront enterrés avec leur fardeau sur eux. Et qu'ils puissent en prendre à eux-mêmes. Oh oui, l'Église tabernacle, que choix. La vie sur terre est faite que de choix, que de choix. Tu dois donc choisir le bon choix, le bon choix. La vie sur terre, c'est vrai, est faite que de choix, que de choix. Tu dois donc choisir le bon choix, le bon choix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il te bénisse aussi, frère Salem.